pris Régine de Forge, en fait je l'ai monté il y a 2 ans avec mon frère et ma sœur, parce qu'on avait envie d'un prix à la mémoire de notre mère, qui était elle-même éditrice et qui adorait les premiers romans. La ville de Limoges a tout de suite dit oui, et j'ai eu la chance de contacter différents auteurs qui avaient un rapport soit d'amitié avec ma mère, soit un rapport de, je dirais, de boulot en tant qu'éditeur et écrivain. Et tous m'ont dit oui, et ça j'ai trouvé ça formidable, que ce soit quelqu'un comme Daniel Picouli, Noël Châtelet, Marina Carrère d'Ancos, enfin tous les membres du jury ont accepté avec grand plaisir, et ça me touche beaucoup parce qu'ils sont toujours présents 2 ans après, donc voilà, ça c'est un beau cadeau. La philosophie du prix Régine de Forge, c'est une philosophie de donner sa chance à un premier roman, à un jeune auteur. C'est un prix qui, de la liberté, puisque ma mère était quelqu'un de très libre. C'est aussi lié à sa région, au Limousin, c'est la ville de Limoges où elle a vécu, petite, qu'elle a aimée. Elle a aidé à faire en sorte que le Salon du Livre de Limoges prenne de l'essor d'année en année. Et je trouve ça très joli que ce prix existe, et je pense qu'elle de là où elle doit être très contente. Alors le prix Régine de Forge, c'est le prix qui récompense un premier roman, ce qui était ce que préférait ma mère, parce qu'elle pensait que les écrivains donnaient toute leur œuvre à venir dans ce premier roman, avec ses imperfections, avec tout ce qui pouvait être amélioré et qui s'améliorera au fil du temps si les gens continuent. Mais c'est ce qui donne un peu la matrice de l'œuvre à venir. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Heureusement que l'écriture n'a pas de frontières. J'ai écrit Hiver à Sokcho en Suisse, en France, en Corée, dans l'entre-deux toujours. Questionner l'identité, questionner la langue comme outil poétique et politique. Peut-être qu'un jour je serai capable d'écrire dans ma langue maternelle. D'ici là, je continuerai de le faire dans celle de mon père, celle de la France, de la francophonie. La reconnaissance que vous me témoignez ce soir est un formidable encouragement. Je vous remercie. Je pense que Régine Desforges, sa singularité, son engagement dans le monde des lettres, peut vraiment représenter une forme de modèle pour la jeune femme que je suis, autant que la primo-romancière. Donc déjà, c'est quelque chose. Et deuxièmement, je suis coréenne, mais aussi française, et plus précisément de Corrèze. Et en fait, j'ai vraiment grandi entre Brive-la-Gaillarde et Paris, et du coup, Limoges était entre les deux, toujours. Donc c'est très beau pour moi de recevoir ce prix qui vient de cette ville-là, qui refait en quelque sorte un lien autant vers l'enfance que du coup vers l'avenir en m'encourageant vers l'écriture d'un deuxième roman.